Quelqu'un, gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur envoie sa parole à chacun. Et cette parole va transformer ta vie. Comprends, la parole du Seigneur le représente et tient pour lui. Et le Seigneur, dans sa parole, quand tu crois à la parole, tu crois en lui. Il n'y a pas de moyen de croire en Dieu que de croire en sa parole. Et comme tu crois en sa parole ce soir, le Seigneur est déjà là et il va déverser les bénédictions sur ta vie au nom de Jésus. Ce soir, nous allons parler de trois choses en un. Premièrement, la préparation personnelle. Le Seigneur est prêt à tout moment. Sa grâce est disponible en tout temps. La puissance est là en tout moment. Premièrement, la préparation personnelle. Deuxièmement, la restauration promise. Vous voyez, nous voyons Daniel, le livre de Daniel, point d'objectif. Le Seigneur avait promis au temps marqué qu'il allait restaurer aux enfants d'Israël les sorties de Babylone et les ramener en Juda. La restauration promise. Ensuite, troisièmement, la réalisation perpétuelle. Ils viennent, voient l'œuvre, croient à la parole, acceptent la parole, et vous avez une réalisation de cette parole aujourd'hui, demain, perpétuellement, pour le restant de tes jours. Et tout le monde dit Amen. Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras. Et je demande, Seigneur, que ce soit que tu amènes chacun de nous à être prêt pour avoir la restauration promise, pour que nous puissions avoir tout réalisé perpétuellement dans chaque vie au nom de Jésus. Bénis ton peuple ce soir. Change chaque vie pour le meilleur. Nous demandons, Seigneur, que ta puissance glorieuse soit manifestée dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Confirme ta parole dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Dieu t'a déjà béni, tu peux t'asseoir dans les bénédictions du Seigneur. En Daniel chapitre 9, lisons les versets 3 et 4. Daniel chapitre 9, les versets 3 et 4. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Voyez ceci. Je tournai ma pensée, je tournais mon cœur, que je voulais chercher le Seigneur. C'est ça qui nous rend prêts, personnel. Je suis venu ici, pas pour être un spectateur, je suis venu ici afin que je puisse tourner ma face, je tourne ma pensée afin de tourner ma concentration sur le Seigneur. Verset 4, je priais. Il tourna sa face vers le Seigneur et il a prié. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et à ceux qui t'aiment. Si je veux recevoir quelque chose de quelqu'un, je ne peux pas lui tourner mon dos. Et il lui est derrière, et il dit, d'accord, qu'est-ce que tu as pour moi? Donne-moi ça. Non, je dois lui faire face. Je dois le regarder. Je dois sourire. Je dois montrer que je suis d'accord. Étendre mes mains afin que je puisse recevoir ceux-là qui l'aiment. Ils ne tournent pas leur dos à Dieu. D'accord, Dieu, tu es derrière là-bas. Tu dis que tu peux guérir. Est-ce que tu peux avoir la guérison pas derrière là? Tu dois tourner ta face vers le Seigneur. Et tu dois montrer ton affection, tu dois manifester ta consécration et ta concentration sur le Seigneur. Aider envers ceux qui t'aiment
et qui observent tes commandements. Chapitre 10, verset 12, il me dit, Daniel, ne crains pour rien, car quand tu tournes ta face vers le Seigneur et tu demandes l'accomplissement des promesses de Dieu pour la réalisation, des promesses de Dieu, et le Seigneur connaît ton cœur, tu l'aimes, et tu lui es fidèle, et tu te rends prêt pour que tu puisses recevoir les bénédictions du Seigneur. Le Seigneur a envoyé un messager du ciel, un ange, ne crains rien Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, dès le premier jour que je t'ai vu, tu n'es pas seulement venu comme un spectateur, tu es venu et tu as fixé ton cœur, tu as fixé ta pensée, tu as fixé ta concentration sur moi. Et comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Quand tu fixes toute ta face, ta pensée, tu dis, ah, je veux les bénédictions du Seigneur. Et tu ne regardes pas par-ci, par-là. Tu ne dis pas, est-ce qu'il ne va pas, est-ce qu'il va, est-ce que Dieu ne va pas le faire, est-ce que Dieu va le faire. Mais quand tu fixes ton cœur, ta pensée sur Dieu, il dit, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Comme tu pries ce soir, comme tu fixes ta pensée, tu fixes ta face et tu demandes au Seigneur, Seigneur me voici, fais ceci pour moi, le Seigneur viendra vers toi là-bas. La puissance viendra sur toi là-bas, la délivrance te parviendra là-bas et les bénédictions du Seigneur viendront à toi là-bas au nom de Jésus. Voyons le chapitre 11, lisons le verset 32, chapitre 11, verset 32 dit, « Il séduira par des flatteries les traits de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaissent, il parle de ceux dont les pensées ne sont pas sur Dieu, leur concentration n'est pas sur Dieu, et ils agissent dans la méchanceté. Ils viennent à la retraite, ils sont méchants. » Ils viennent à la croisade et après la croisade, ils continuent à agir méchamment. Ils viennent aux conférences, ils viennent à la présence de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu. Il n'y a pas de repentance et sans la repentance, ils sont comme ils ont été toujours. Ils continuent à agir méchamment. Ils ont été corrompus par les flatteries de l'Antéchrist, par les flatteries du méchant. Maintenant, dans la dernière partie du verset 32, mais... ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts, seront forts et feront des exploits. Tu feras des exploits au nom de Jésus. Ceux qui connaissent leur Dieu comme créateur, ils connaissent, ils savent que rien sur la terre, rien nulle part n'est créé par une autre personne, mais par le Dieu Tout-Puissant. Ceux qui connaissent leur Dieu, ceux-là qui connaissent leur Dieu, comme le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils savent que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors ceux qui connaissent leur Dieu, ceux-là qui connaissent leur Dieu comme le Dieu Saint, 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 et les anges chantent. Ceux-là qui connaissent leur Dieu, que Dieu désire que ceux qui viennent à lui vivent dans la justice, dans la piété, dans la sainteté, dans ce monde présent. Ils connaissent leur Dieu, que Dieu ne va pas négliger ou excuser le mal ou le péché d'aucune manière. Ils savent qu'il est un Dieu puissant, un Dieu saint. Et que ce soit en privé ou en public, ils ne s'engagent dans aucune injustice. Ceux qui connaissent leur Dieu, que Dieu aime la justice, que Dieu aime la sainteté. Ils ne disent pas, oh Dieu guéris-moi. Je veux servir le diable davantage, mais je ne suis pas trop fort. Je ne peux pas courir, je ne peux pas marcher. Guéris-moi pour que je puisse courir plus vite dans le service du diable. Non, ceux-là ne connaissent pas Dieu.
Dieu ne va pas te donner sa guérison, sa force pour aller servir le diable. Dieu ne va pas te donner la prospérité pour aller utiliser l'argent pour servir le diable. Ceux-là qui connaissent Dieu, Dieu guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Je n'ai pas la force maintenant pour aller faire mon cambriolage. Je suis faible, j'ai la douleur, c'est guéris-moi maintenant pour que je puisse me lever encore pour aller dans la nuit cambrioler, faire ma chose habituelle. Dieu ne nous donne pas sa bonté, Dieu ne nous donne pas sa guérison, il ne nous donne pas la force pour que nous puissions servir le diable. Ces gens ne connaissent pas Dieu, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, que Dieu était, que Dieu est et Dieu sera toujours. Que Dieu est immuable, il est puissant et fort. Que Dieu est saint et juste. Et c'est ceux-là qu'il regarde. Ceux qui tremblent à sa parole. Ce sont ceux-là qui connaissent Dieu. Ils seront forts. Ce soir, tu seras fort. Quand tu tournes ta face, ta pensée sur Dieu, et tu sais que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la sainteté, le Dieu de la justice, le Dieu de toute puissance, ceux-là qui connaissent le Dieu du ciel, ce sont ceux-là qui seront forts et feront des exploits. Ce soir, les exploits, la puissance, la manifestation, la démonstration de sa puissance pour ceux-là qui connaissent Dieu au nom de Jésus. Pasteur, et si je ne connais pas Dieu, je veux le connaître. C'est exactement pourquoi nous sommes là. Pour que nous puissions tourner notre cœur sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu tournes ton cœur vers le ciel, tu dis, oh, je veux connaître Dieu. Je veux que Dieu me connaisse. Une chose est de connaître Dieu, mais autre chose, c'est que Dieu te connaisse. Et disent maintenant, oh, tu l'aimes, maintenant tu lui obéis, pas temporairement pour une nuit, mais perpétuellement dans ta vie. Tu donnes ta vie, tout ce que tu as, tu donnes cela à Dieu. Tu le connais, il te connaît, et ce soir, il y aura des exploits dans ta vie. La puissance manifestée dans ta vie. Amen. Trois choses à considérer ce soir. Premièrement, l'attente confiante des chercheurs du salut rassuré. Le salut, la régénération rassurée, la restauration rassurée, la rédemption rassurée. L'attente confiante des chercheurs du salut rassuré. Du salut, de la restauration, de la rédemption qui est déjà garantie. Dans le chapitre 9, chapitre 10, l'expérience confirmée de la force sanctifiante par l'écriture autoritaire. L'expérience confirmée de la force sanctifiante par l'écriture autoritaire. La vérité de la parole de la vérité qui vient dans notre vie et nous amène à avoir la force. Et elle nous rend forts. Et elle ôte toute faiblesse de notre vie. C'est la force sanctifiante. Et c'est la vérité totale que nous avons. Comme nous expérimentons l'accomplissement et la réalisation des Écritures. L'expérience confirmée de la force sanctifiante par l'Écriture autoritaire. Troisième point. Les exploits continuels des saints. Cet exploit va commencer ce soir dans ta vie. Et continuellement, jour après jour, semaine après semaine, comme tu continues à connaître le Seigneur et tu le connais davantage, davantage, et tu avances dans la connaissance du Seigneur et tu es ferme dans cette connaissance du Seigneur. Les exploits continuels des saints, malgré la volonté personnelle de l'Antichrist. Dans le premier point maintenant, l'attente confiante des chercheurs du salut assuré, du salut garanti. En Daniel au chapitre 9, lisons le verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assurus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Verset 2,
la première année de son règne, moi, Daniel, je vis pas les livres. Je vis pas les livres. Qu'est-ce qui amène Daniel, l'homme, à ce qu'il était? Il lisait les livres de la Bible, disponibles à l'époque. Et comme il lisait les livres de la Bible, disponibles pour lui, comme Isaïe, comme Jérémie, il a compris le nombre des années où la parole de Dieu était adressée à Jérémie, qu'il accomplirait 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années. Vous voyez, si nous voulons prier, et si nous voulons chercher le Seigneur, et si le Seigneur doit exaucer, nous devons voir ce qu'il a écrit dans les livres. Qu'est-ce qu'il a écrit dans les livres? Voyons Jérémie chapitre 29, verset 10. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 29, 10. Nous ne pouvons pas prier contrairement à ce que le Seigneur a dit. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, après que 70 ans seront à écouler pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Vous voyez, nous ne pouvons pas fermer les yeux, fermer, bloquer nos oreilles et alors dire que nous prions, nous prions, nous prions. Quelqu'un va sur la montagne, il jeûne, il prie. Il ne comprend pas la Bible. Quelqu'un va dans la vallée, quelqu'un va au bord de la rivière, quelqu'un va en Israël, quelqu'un va peut-être au niveau de la Jordanie et il prie, il prie. Et il ne connaît pas la parole de Dieu. C'est la parole qui nous révèle ce que Dieu a promis faire. Et dès après 70 ans, je vous visiterai. J'accomplirai ma bonne parole à votre égard en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance, nos attentes doivent être basées sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Nos attentes doivent être basées sur qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a promis, qu'est-ce qu'il demande de moi, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, comment est-ce qu'il veut que je fixe mon cœur, ma pensée, mon amour sur lui, afin que la bénédiction de Dieu soit sur moi. Je vous donnerai un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez. Et Daniel savait que même si la promesse avait été donnée, ce n'est pas automatique. Si, oh, je me lève debout là-bas, oh, il verra que j'ai 70 ans maintenant, nous n'avons pas besoin de prier. Tout ce qui va arriver, non. Daniel a dit, je vais faire selon la parole de Dieu. Parce que Dieu avait dit, après les 70 ans, alors vous m'invoquerez. Et vous partirez, vous me prierez. Alors, le Seigneur voulait vraiment se rassurer que 70 ans en Babylone n'avait pas changé les gens et qu'il prie le Dieu de Babylone. Quand tu es en Babylone, tu fais comme les Babyloniens. Quand tu es à Rome, fais comme les Romains. Et nous sommes comme des caméléons par-ci, par-là. Non, Dieu a dit, à la fin des 70 ans, voici ce que vous devez faire. Vous devez prier à l'Éternel. Et moi, je vous exaucerai. Verset 13. Aidez, vous me chercherez. Les chercheurs, ceux qui cherchent la restauration. Ils cherchent le salut, la délivrance. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez, vous ne jouez pas au jeu. Vous ne vous amusez pas avec Dieu. Vous n'essayez pas de plaisanter, blaguer avec Dieu pour couvrir la face de Dieu dans sa parole. Vous ne jouez pas avec Dieu. Vous ne dites pas, Seigneur, voici ta parole. Voici ce que tu as promis. Tu as dit que nous allons passer 70 ans là-bas. Maintenant, nous allons te chercher tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et tu as dit maintenant que nous allons te trouver, quand nous allons te chercher de tout notre cœur. Verset 14.
Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Je vous ai fait aller en captivité. C'est ce que Daniel a lu et c'est pourquoi il a pris sa décision. Voyez ce que Dieu a dit. Il n'a pas dit d'accord, je n'ai rien à faire, je n'ai aucun prix à payer. Dieu fera ce qu'il veut faire. Tout a été déjà réglé, Dieu l'a dit. Et comme Dieu l'a dit, tout est réglé. On n'a pas besoin de nous repentir. Nous n'avons pas besoin de venir à Dieu. Nous n'avons pas besoin de prier. Nous n'avons pas besoin de chercher la face du Seigneur. Tout va bien. Non, Dieu l'a dit. 70 ans vont s'écouler. Et ces 70 ans, c'est si vous prenez la décision et vous tournez votre face, vous tournez votre cœur, vous tournez votre amour pour me chercher et vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, j'exaucerai, je vous ramènerai, je vous sortirai de la captivité. Daniel, comment est-ce qu'il a fait en cherchant le Seigneur? Daniel chapitre 9, verset 5. En Daniel 9, verset 5, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Vous voyez cela, il y a la confession, il y a la conviction que Dieu est le mal, Dieu est le péché. Ce qui a conduit Judas et le peuple de Judas en Babylone, c'est leur péché. Qu'est-ce qui nous a conduit dans le mal, dans les choses terribles que nous endurons maintenant? Ce sont nos péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il a confessé, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Voyons, verset 8 nous dit, Seigneur, à nous la confusion de face. Nous avons honte, nous avons commis le mal. Il confessait avec un cœur brisé. Il dit, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères. Parce que nous avons péché contre toi. Comme tu viens au Seigneur et tu dis, Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Il ne faut pas rester là les bras croisés pour dire, je n'ai rien à faire. Il n'y a aucun prix à payer. Et il n'y a pas de consécration à faire. Il n'y a pas de confession à faire. Dieu a dit qu'il va le faire. Non, tu dois confesser tes péchés. Tu dois te détourner de tes péchés. Et tu dois chercher la face du Seigneur de la manière établie par Dieu. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Vous voyez Daniel. Ça, c'est la bonne manière de prier. Nous ne disons pas bon. Dieu a fait ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que moi je peux faire? Ah, il a dit ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que nous on peut dire? C'est notre faute. C'est à cause de nos péchés. Et il dit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre Dieu. C'est très clair alors. Si nous voulons avoir le salut, il y a quelque chose à faire. Nous devons confesser, abandonner le péché. Si nous voulons avoir la restauration, le fils prodigue, la fille prodigue, le rétrograde là-bas. Si nous voulons avoir la restauration de la paix de Dieu et de la bonté de Dieu et du salut, si nos noms doivent entrer dans le livre de vie, alors voyez comment Daniel l'a fait. C'est comme ça, tout le monde doit le faire. Nous devons donc comprendre. Nous ne pouvons pas jouer l'ignorance devant Dieu. Nous savons que c'était mauvais, que ce n'était pas la bonne voie. Nous l'avons fait. Et maintenant, nous devons confesser. Maintenant, nous devons abandonner. Et le Seigneur aura pitié. Quelqu'un là-bas, Dieu aura pitié. Qu'est-ce qu'il a dit? 2 Chroniques chapitre 7, 14. 2 Chroniques chapitre 7, 14. Si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie,
prie et cherche ma face et se détourne. Et se détourne. Il n'y a pas d'autre moyen pour le salut. Tu peux dire, ah, moi je n'accepte pas ça. Je vais sur une autre direction, un autre chemin pour avoir le salut. Non, ça ne marchera pas. La voie étroite qui conduit à la vie éternelle. Si c'est de reconnaître que tu es un pécheur, c'est que tu dois reconnaître toutes les bonnes œuvres que tu essaies de faire, que tu caches, tout cela ne peut pas t'accorder le salut, la restauration, la régénération. Tout cela ne t'accordera pas la promotion. Mais ce que Dieu a dit, le Seigneur a dit, voici comment je donne le pardon. Je donne ça à tout le monde. Voici le moyen que je fais d'un enfant du diable pour qu'il soit converti, pour devenir mon enfant. Il n'y a pas d'autre moyen. Il dit, voici le chemin que je te pardonnerai et je vais t'affranchir. Que tu sois un Israël, que tu sois un païen, que tu sois un homme ou une femme. Si mon peuple, ceux qui vont à l'église, si mon peuple, les religieux, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilient, prient et cherchent ma face, et s'ils se détournent de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. S'ils s'humilient, s'ils changent, confessent, abandonnent, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le pardon viendra pour toi. La guérison viendra pour toi. En te détournant du péché, ce que tu étais par le passé, ce que tu faisais avant, là où tu allais, et la boisson, l'adultère, la fornication et les jeux, les mauvaises choses que tu faisais, tu dois te détourner de tout cela. Et tu viens au Seigneur, et tu dis, oui Seigneur, je me repens. Seigneur, je suis convaincu de mes péchés. Seigneur, je ne vais plus suivre ce chemin, et je viens. Le salut viendra, la rédemption viendra, la guérison viendra. Il nous dit en Proverbe 28, verset 9, celui qui détourne l'oreille, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ah, la repentance, ça, ce n'est pas ma spécialité. Ah, confesser les péchés, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis venu pour la guérison, pour la délivrance, pour la bénédiction. Je sais que tout est disponible. Dieu est miséricordieux, Dieu est grand. Dieu ne diffère pas de discrimination. Écouter la parole de Dieu, de te repentir. Non. Moi, je ne veux pas écouter ça. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses péchés avec l'hypocrisie et avec la prétention et avec des cris, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et il parle plus rapidement que tout le monde. Et il fait semblant même de parler en langue. Confesse tes péchés, détourne-toi de tes péchés, repens-toi. Tu ne peux pas commettre l'adultère, la fornication dans l'après-midi. Tu ne peux pas mentir dans l'après-midi. Tu ne peux pas blasphémer le nom de Dieu dans l'après-midi. Et viens dans la soirée et tu caches cela. Et Dieu, je suis là. Non, tu n'es pas là. C'est quand tu viens avec un cœur, avec ton esprit, avec la concentration, et tu confesses ce péché, et tu abandonnes ce péché, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde viendra. J'ai dit la miséricorde viendra. Revenons à Daniel au chapitre 9. Lisons le verset 24. Daniel avait fixé sa face devant le Seigneur. Il avait confessé les péchés de la nation. Il avait confessé les péchés devant le Seigneur. Et il espérait avec confiance que les bénédictions du Seigneur allaient venir sur lui et sur la nation. Il y aura la restauration de la captivité et ils reviendront dans leur territoire. Et l'ange est venu lui révéler, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Quand ta prière est exaucée pour mettre fin à la transgression, quand le Seigneur a répondu à la prière de confession,
et des péchés abandonnés en cherchant la face du Seigneur. Une chose qu'il fait, c'est qu'il met un terme à la transgression. Jésus a dit, tout est accompli. Quand tu confesses, quand tu abandonnes, alors toute la perdition, tout le châtiment, toutes les pollutions des péchés et des c'est accompli, c'est terminé. Deuxièmement, pour faire cesser et mettre fin au péché. Quand Dieu exauce nos prières, c'est Christ alors le merci qui met fin au péché. Ce que tu n'avais pas le pouvoir de faire avant, tu as la grâce de Dieu. Il a exaucé ta prière, il t'a pardonné et il y a une fin au péché. Ensuite, pour expier l'iniquité, faire la réconciliation, tu te réconcilies maintenant à Dieu. Si tu prie de la bonne manière, si tu confesses et abandonnes tes péchés, si tu cherches la face du Seigneur, comme Dieu l'a établi dans la parole, il fait la réconciliation. Ensuite, quatrièmement, et amène la justice éternelle. Maintenant, tu as prié, tu as confessé, tu as abandonné, tu as cherché la face du Seigneur. Ce n'est pas seulement, ah, je suis encore là, fréquentateur d'église, je suis encore là, religieux, non. Il envoie la justice dans ta vie, la justice éternelle. Et ensuite, il dit, pour sceller la vision et la prophétie. La prophétie du Seigneur soit scellée dans ta vie et accomplie dans ta vie pour oindre le Saint des Saints. Et il t'amène dans la justice, dans la sainteté. Et il amène ta vie à être sainte, engagée et consacrée, établie pour le Dieu très saint. Matthieu 1, verset 21, on nous dit, elle enfantera un fils. Et voici l'accomplissement, le merci dont Daniel a parlé, le médiateur dont a parlé Daniel. Voici l'accomplissement maintenant, comme nous cherchons le Seigneur. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de... Dites-moi le nom. Criez ce nom. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce qu'il est venu faire. Il n'est pas venu pour survoler nos péchés, pour cacher nos péchés, nous donner la licence d'aller continuer dans le péché. Sa venue ne sera pas accomplie. L'objectif de sa venue, la raison de sa venue, Daniel nous a déjà dit dans le chapitre 9, 24, quand il viendra, il mettra fin au péché. Quand il viendra, il mettra toute l'injustice de côté, loin de nos vies. Maintenant, il est venu. Et la raison pour laquelle il est venu, c'est qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Romains 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si Jésus le Seigneur de ta vie, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Nous ne croyons pas pour pécher davantage. Nous ne croyons pas pour avoir plus de corruption. Avant de dire que tu es sauvé, tu étais dans le péché, l'iniquité, la transgression, la corruption. Maintenant tu crois. Et maintenant, il y a l'iniquité, le péché, la transgression et la corruption. Non, pas du tout. Il nous dit ici, il dit, quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il vient fixant le cœur sur Dieu, fixant leurs pensées sur Dieu et viennent en confessant leurs péchés, en abandonnant leurs péchés. Et pour cela, ils s'appuient maintenant sur les promesses de Dieu et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut pour toi ce soir.
J'ai dit le salut pour toi ce soir. Tu ne dois pas quitter ici sans avoir confessé, abandonné et pris la décision que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour moi afin que tous mes péchés soient lavés. Alors, avec cela, tu seras prêt pour le salut du Seigneur. Deuxième point maintenant, Dieu maintenant, le chapitre 10 de Daniel. Voyez ceci, l'expérience confirmée de la force sanctifiante par l'écriture autoritaire. Chapitre 10 de Daniel, verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision. N'attends pas les autres. Je dis, est-ce que toi, tu as compris le point? Pourquoi tu lui poses la question? Toi, tu as compris. Est-ce que tu vas te soumettre au Seigneur? Pourquoi tu lui demandes? Toi, soumets-toi au Seigneur. Est-ce que toi, tu veux avoir le salut, la régénération, la force du Seigneur? Pourquoi tu lui poses la question? Prends la décision. Si tu étais la seule personne dans le monde entier, Christ serait toujours mort pour toi. Et pour cela donc, tu dois placer ta foi sur le Seigneur tout seul. Et moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Verset 11, puis il me dit, Daniel, c'est personnel, la préparation personnelle, pour que Dieu envoie la révélation, pour que le Seigneur envoie la promesse, pour que le Seigneur envoie la condition de la bénédiction du Seigneur. Et toi, tu dois t'attacher à cela personnellement tout seul. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, homme bien-aimé, quand tu places ta foi, ton cœur, ton amour sur Dieu, quand tu dis, je ne veux rien connaître d'autre, ce que je connais Dieu, mon Créateur, mon Rédempteur, je ne veux pas me soumettre à une autre chose, à la société, au péché, à Satan, toute l'autorité que je connais, c'est l'autorité de Dieu, parce que tu l'exaltes, parce que tu l'élèves, parce que tu dis, il est le seul que je connais. Je ne veux pas connaître un sycophane. Je ne veux pas connaître un ami donné. Je ne veux pas connaître quelqu'un qui doute. Celui que je connais, c'est le Dieu du ciel qui m'a donné sa parole. Et je serai obéissant à sa parole. Tu deviendras un bien-aimé aux yeux de Dieu. Comprends? Car dès le premier jour où tu as eu à cœur... Verset 11, puis me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, quand tu t'es repenti, ne crains rien, quand tu as cru au Seigneur, ne crains rien, quand tu pries Dieu avec une grande attente, ne crains rien. Quand ton cœur, ta pensée, tout est concentré sur Dieu, ne crains rien. Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Ce soir, comme tu te mets debout et tu lèves les yeux vers le ciel et tu pries le Dieu du ciel, le Dieu de sainteté, le Dieu de justice, le Dieu de fidélité, le Dieu qui accomplit sa parole. Dès que tu vas te lever, en levant ta main, le ciel va te regarder. Le ciel va te répondre. Et il dit, tes paroles ont été entendues. Et je viens, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 18 là-bas. Verset 18. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha. Celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau. Quand tu restes là et tu pries le Seigneur et tu as confiance, la foi confiante en Dieu et tu as cette attente, cette espérance vis-à-vis de Dieu et tu veux expérimenter sa force dans ta vie. Aider. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. La force sanctifiante, il me fortifia. Verset 19, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé,
que la paix soit avec toi. Le Seigneur te dit ce soir que la paix soit avec toi. Quand tu sais de te bagarrer, la paix viendra. Ceux qui se bagarrent contre Dieu, qui luttent contre la parole de Dieu, ceux qui luttent contre leur salut, ceux-là qui luttent contre Christ, qui est venu nous délivrer, ils n'ont pas la paix. Il n'y a pas de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Mais ceux-là qui se détournent, ceux qui se repentent, ceux qui acceptent la parole de Dieu, alors je dis encore mon frère, ma soeur là-bas, que la paix soit avec toi. Tu abandonnes toutes les actions de lutte, de bagarre contre le Seigneur, que la paix soit avec toi. Tu te soumets, tu t'abandonnes au Seigneur et tu dis, Seigneur, je vais te servir, je vais t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, que la paix soit avec toi. Fortifie, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Je repris des forces. Je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Verset 21, il dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. C'est pourquoi je vais te montrer ce qui est noté dans le livre, écrit dans le livre de la vérité. Comment les bénédictions de Dieu viennent-elles? Par la parole de vérité, les écritures de vérité, l'écriture autoritaire. Est-ce que nous voulons avoir le salut? C'est par les écritures. Est-ce que nous voulons avoir la sanctification? Par les écritures. Est-ce que nous voulons avoir la guérison? Par la parole, par les écritures. Est-ce que nous voulons avoir la délivrance? Par les écritures. Toutes les bénédictions de Dieu, c'est lorsque l'Esprit de Dieu vient et il applique cette parole dans nos cœurs. Voyons Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. L'ange a dit à Daniel, il dit, je vais te faire connaître, je vais te montrer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. La vérité des Écritures. Voici engendré, né de nouveau, transformé, converti par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et la guérison, comment est-ce que la guérison vient-elle? En Matthieu 8, verset 16. En Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Le salut vient par les écritures de vérité. La guérison vient par l'écriture de vérité. Maintenant, il dit, et il guérit tous les malades. En Jean, chapitre 17, verset 17. Jean 17, le salut par l'écriture de vérité, la guérison par l'écriture de la vérité, la sanctification par l'écriture de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est quand la vérité nous parvient et nous recevons cette vérité et nous prions sur la base de cette vérité et nous sommes engagés au Seigneur, consacrés au Seigneur sur la base de cette vérité, que le salut vient, que la guérison vient, que la sanctification viendra également. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 20, 32. Actes 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Comment croître? Comment nous développer? Comment demeurer ferme, sauvé, guéri, sanctifié? Et nous sommes saturés par les Écritures. Cela nous rend ferme par la parole qui peut édifier et donner l'héritage. Et lorsque les flèches viennent, quand le diable vient,
Comment devons-nous vaincre? Par les écritures de la vérité. Apocalypse chapitre 12, lisons le verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors tu dois prendre cette parole, tu dois croire à cette parole, tu acceptes cette parole et tu déclares cette parole. Et tu sais que tel que Dieu l'a dit dans sa parole, il en sera ainsi dans ta vie. C'est comme ça que tu vas vaincre et tu vas vaincre au nom de Jésus. Voyons maintenant Romains 12, les versets 1 et 2. Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comme vous vous offrez au Seigneur âme, corps, âme et esprit, tout ce que vous avez, toutes vos facultés, vous devez offrir tout au Seigneur, comme la parole l'a exigé et a demandé que vous le fassiez. C'est comme ça que vous connaîtrez la volonté de Dieu, vous tiendrez dans la volonté de Dieu et votre vie sera fortifiée au nom de Jésus. Amen. Verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La parole. Le monde ne croit pas la parole. Le monde n'a pas la parole. Le monde ne se soumet pas totalement, complètement à la parole. Ils peuvent aller à l'église, ils peuvent être religieux, ils peuvent observer la Noël, ils peuvent observer la période de Pâques, ils peuvent aller au festival, mais ils sont dans le monde. Et la parole de Dieu n'est pas la force de leur vie. Mais quand tu viens à la croisade, tu as donné ta vie au Seigneur. Et tu ne veux pas te conformer à ce siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et la parole agira puissamment dans ta vie. Je veux mais amen. Marc chapitre 16 verset 15. Marc chapitre 16, 15, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'évangile, la parole. C'est quoi l'évangile? Repentez-vous et croyez, ça c'est l'évangile. Détournez-vous de péché et revenez au Sauveur, ça c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Quel est l'évangile? Détournez-vous de Satan et tournez-vous. Soyez réconciliés au Dieu Tout-Puissant, ça c'est l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile est là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique, Fils. Comme tu crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Éternelle, la vie éternelle, l'évangile. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, à l'ouest, au nord, au sud, quiconque, en Afrique, un blanc en Amérique, afin que quiconque, n'importe où, en tout temps, dans n'importe quelle génération, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu ne vas pas périr. Je ne vais pas périr. Le Sauveur est venu. Et Dieu a demandé que tu te détournes de tes péchés et que tu viennes au Seigneur dans la foi au Seigneur. Et c'est ceux-là qui sont obéissants à la parole et qui se détournent du péché et qui viennent au Seigneur pour les sauver, ce sont ceux-là qui ne périront point. Je prie que tu ne périsses point. Maintenant, il dit, dans le verset 16, celui qui croira, pas celui qui a cru par le passé et qui est retourné à l'idolâtrie maintenant, il ne croit plus, non. Ce n'est pas celui qui a cru par le passé.
il est reparti dans le pays lointain de la négligence, de la frivolité, du mal, de l'idolâtrie, de la fornication, de l'adultère. Non, pas celui qui avait cru par le passé, mais qui mène une vie pécheresse maintenant. Celui qui croit continuellement. Il croit au Seigneur et il porte cette foi de la croisade et continue à croire. Et dit, je suis un croyant perpétuel dans le Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé d'eau sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis un croyant. Et les miracles vont accompagner tous les croyants au nom de Jésus. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents pour les jeter. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce soir, tu seras guéri. J'ai dit ce soir, tu seras guéri. Je me rappelle, j'étais en Ouganda, j'allais d'Afrique du Sud, en Zambie, Malawi, avant d'arriver en Ouganda, et les conditions des choses pour ma voix n'étaient pas vraiment, à peine je pouvais chuchoter quand je prêchais. Je disais, oh, si tu crois au Seigneur aujourd'hui, tu seras sauvé. Et je forçais ma voix comme ça pour le faire. Ma voix vraiment était partie. Notre pasteur de Calabar était à l'Ouganda en ce moment. Il va se rappeler. Et sa femme, il y avait une maman là-bas. Et cette maman avait un enfant, une fille. Et cette fille-là n'avait pas, au niveau de la partie privée, mais pour uriner, cette petite fille n'arrivait pas. L'ouverture n'était, appropriée n'était pas là. En Ouganda, cette nuit-là, je me rappelle, j'étais là. Je disais, oh, si tu veux être guéri, oh Seigneur, le Seigneur va exaucer ta prière ce soir. Et je devais vraiment faire des efforts pour que ça sorte. C'était très difficile. Et j'ai dit, le Seigneur est là pour guérir quiconque, tout le monde. Avec ce type de voix-là, j'ai dit, si tu es là, peu importe ton défi, ton problème, lève ta main maintenant. Et avec ma voix qui était pratiquement partie, nous avons prié. Et ils sont rentrés. Et quand ils sont réveillés le matin, Dieu avait accompli l'opération sur la petite fille. L'ouverture qui n'était pas là, Dieu a tout tracé normalement. Et tout était correct ce soir. La puissance est là. Le miracle créatif dans ta vie au nom de Jésus. Tu peux m'entendre dire avant. Et on était en Namibie. Il y avait cette mère encore avec un enfant. Le problème de l'enfant, après quelques mois, après la naissance de l'enfant, la langue était sortie tendue. Et partout l'enfant allait, toutes les mouches venaient se répandre sur la langue. Et on chassait. Ils ont essayé de faire l'opération. On devait emmener l'enfant en Afrique du Sud. Et le gouvernement même de la Namibie était même prêt à payer le prix pour l'opération. Et arrivé en Afrique du Sud, et le docteur a examiné l'enfant et la langue était au dehors. Elle ne pouvait même plus ramener la langue dedans. Et le docteur en Afrique du Sud dit, mais ça, on ne peut rien faire ici, hein. On ne peut pas couper la langue. Elle va saigner à mort. Alors, ils sont revenus en Namibie. Et comme ils étaient là-bas, ils ont vu notre pasteur là-bas en Namibie. Et ils disaient, oh, s'il vous plaît, c'est un problème difficile, hein. Vous nous connaissez. Et l'histoire était racontée dans les journaux. On veut un miracle pour cet enfant. Alors, ils plaidaient avec le pasteur national là-bas pour qu'il l'amène, pour que je prie. Et le pasteur a dit, restez dans votre assemblée. La puissance du Seigneur va agir dans ta vie. Je viens te dire ce soir, la puissance de Dieu va agir dans ta vie. Et cette nuit-là, j'ai dit, ton miracle vient pour toi.
Mets ta main là où tu as le problème. Ils ont levé l'autre main. Et nous avons fermé les yeux. Et nous avons dit au nom de Jésus, tout miracle, toute guérison, toute délivrance que ton peuple veut, donne à chacun. Et voici, quand nous avons dit le dernier Amen, aidez-moi à crier, dernier Amen. Dis-le en haute voix. Le ciel a entendu. Comme nous avons ouvert les yeux comme ça, la langue est repartie dedans. La langue est repartie dedans. Et tout était normal. Et ils ont amené, la maman a amené l'enfant pour dire, je voulais voir le pasteur avant. Mais avant d'avoir la chance de voir le pasteur, j'ai vu la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Parce qu'il dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ce soir, tu seras guéri. Comment? Comprends. Par la parole, tu es sauvé. Par la parole, nous sommes guéris. Par la parole, nous sommes sanctifiés. Par la parole, nous sommes fermes. Par la parole, nous avons vaincu. Par la parole, nous avons la main du ciel qui touche nos vies. Voyons ce verset, verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole. C'est la parole, c'est la parole. Le Seigneur confirmait la parole. Et toute parole de promesse que tu écoutes, le Seigneur va confirmer. Comme tu crois la parole, tu tiens sur la parole, le Seigneur va confirmer la parole dans ta vie au nom de Jésus. Confirmant la parole par les signes et les prodiges. Amen! Daniel, chapitre 11, troisième point maintenant, les exploits continuels des saints malgré la volonté personnelle de l'Antéchrist. Le Seigneur a révélé, quand l'Antéchrist est venu, il sera un homme notoire de volonté de soi. Daniel 11, verset 3. Mais il s'élèvera un vaillant roi, l'Antéchrist, qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il veut. La volonté de soi. Et quiconque a ce type de volonté aujourd'hui, peu importe ce que nous prêchons, peu importe ce que nous lisons dans la Bible, peu importe comment les autres se répandent, il a sa pensée fixée. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Verset 16. Verset 16. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra. La volonté de soi, c'est un esprit de l'Antéchrist. Et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Verset 36. Verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra, selon ce qu'il voudra. Malgré cette volonté de l'Antéchrist, il vient, il fait le mal, il blasphème. Nous ferons des exploits. Toi, tu auras des exploits. Verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Si tu aimes les flatteries, tu vas tomber dans les mains de l'Antéchrist. Et comme ça, il séduit les gens, il caresse les gens par des flatteries, flatteries et flatteries. Et il te fait monter pour t'envoyer en bas. C'est ce que le diable fait, comme Achab a envoyé Naboth. Il l'a placé et a montré à toute la ville, « Oh, voici un grand homme, c'est une flatterie. » Jézabel et Achab voulaient détruire ce Naboth par les flatteries. Et c'est ce que l'Antéchrist fera. C'est ce que les hypocrites religieux feront. Ils vont te flatter. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts. Ceux qui connaissent leur Dieu
comme guérisseur. Ils connaissent leur Dieu comme le sauveur. Ils connaissent leur Dieu comme le libérateur. Ils connaissent leur Dieu comme le rédempteur. Ils connaissent leur Dieu comme le tout en tous, le créateur de tout l'univers. Ils connaissent leur Dieu comme celui qui a dit, « Je suis Dieu, je ne change pas. » Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts. Tu seras fort. C'est ce qui nous rend forts. Forts dans la foi, forts dans les attentes, forts pour recevoir du Seigneur, forts pour recevoir les miracles du Seigneur. Parce que nous connaissons notre Dieu. Nous savons qu'il ne peut faillir, il ne faillira pas. Ceux qui connaissent leur Dieu, même au moment du règne de l'Antéchrist, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Tu feras des exploits. Ça va commencer ce soir. Dans ta vie, où es-tu là-bas? Gloire à Dieu, c'est confirmé dans ta vie au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 4, verset 3. 1 Jean, chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, que Jésus n'est pas venu, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist qui s'oppose à la justice, qui s'oppose à la voie du Seigneur, cet esprit de l'Antéchrist est encore dans le monde. Comprenez. Même si ces gens-là sont corrompus par les usines de l'Antéchrist, mais ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Verset suivant là-bas, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Nous avons vaincu. J'ai dit, nous avons vaincu. Nous avons vécu Satan, nous avons vécu le mauvais esprit, nous avons vaincu le péché, nous avons vécu la maladie. Parce qu'il dit, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le plus grand vit au-dedans de nous. Le plus grand demeure en toi et tu seras un vainqueur. Ce soir, vainqueur. Aujourd'hui, vainqueur. Continuellement, pour le restant de ta vie, vainqueur au nom de Jésus. Chapitre 3, là-bas, verset 22. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Tout ce que nous demandons ce soir, nous allons recevoir de lui. Ça, c'est les exploits. Tout miracle que tu veux ce soir, disponible. Toute guérison que tu veux ce soir, disponible. Toute délivrance que tu veux ce soir, disponible. Tout ce que nous demanderons, nous le recevrons de lui. Chapitre 5, verset 14. Chapitre 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons ceux-là qui connaissent leur Dieu et ils savent que Dieu ne va jamais échouer, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ce soir, tu auras ce que tu demanderas. Je dis, tu auras ce que tu vas demander. Jean, chapitre 14, verset 12. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi ce soir, c'est comme ça, c'est ce que tu dois faire. Tu dois croire au Seigneur ce soir. Celui qui croira en moi fera les œuvres que je fais. Tu as raté un amen là-bas. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il est avec le Père maintenant. Et il est assis à la droite de la majesté. Et tout ce que nous prions va dans sa main. Et Jésus-Christ présente cela au Père. Et il dit, oh, je lui ai promis
que tout ce qui demandera est passé par mon nom, je vais lui donner cela. Et le Père va te donner ça ce soir. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Lève-toi et marche. Si tu es là-bas ce soir, et tu es impotent aux pieds, et tu n'as aucune force du tout, ce soir, je te défie. Quand tu entendras le dernier Amen, lève-toi et marche, et le miracle viendra. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ce soir, ça va arriver. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Vous avez la foi au Seigneur, le Dieu qui ne peut faillir, le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et pour l'éternité. C'est cette foi au nom du Seigneur qui a rendu cet homme ferme. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. En la présence de tout le monde ce soir, la grande puissance de Dieu sera démontrée dans ta vie. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5. Actes 8, verset 5. Philippe, Actes 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, prêcha le Christ, Christ le Sauveur, Christ le Guérisseur, Christ celui qui sanctifie, celui qui baptise, celui qui accomplit les miracles, il leur prêcha Christ. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, ces esprits impurs vont sortir aujourd'hui au nom de Jésus, en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Et une grande joie dans cette ville. Et une grande joie dans le lieu principal ici. Et une grande joie dans toutes les villes et les assemblées où nous sommes rassemblés. Une grande joie partout ce soir au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 7. Actes 14, verset 7. Élie annonçait la bonne nouvelle. Élie annonçait la bonne nouvelle. Ça, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Et ils y annonçaient la parole, la bonne nouvelle. La porte ouverte, la porte de la foi est ouverte et la foi de miracle est ouverte pour vous maintenant. L'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle des portes ouvertes. C'est l'évangile du surnaturel. Quand nous parlons de l'évangile, ça vient avec le surnaturel. La bonne nouvelle du surnaturel. C'est l'évangile de puissance. L'évangile vient avec puissance, entre dans le cœur du pécheur. Et la puissance pour sauver vient et entre dans la vie du malade. La puissance pour guérir le malade vient dedans. C'est l'évangile, la bonne nouvelle d'Emmanuel. Dieu avec nous. Que Dieu dans sa puissance venant du ciel et il vient sur toi là-bas. Emmanuel devienne réalité, l'évangile d'émancipation qui te délivre et t'affranchit de tout joug et de toute chaîne de ta vie. C'est l'évangile d'amour, l'évangile de libération, l'évangile qui ne connaît pas de limite. Lorsque cette bonne nouvelle te parvient, elle t'élève,
Elle affecte ton cœur, ta vie, ton âme, ton corps. Et le surnaturel aura lieu dans ta vie au nom de Jésus. Et au lieu principal dit, verset 8 là-bas. À l'isle se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9, il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, verset 10 dit, il dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Il n'a même pas allé le toucher, et il se leva d'un bond et marcha. La puissance vient pour toi. La puissance pour sauver, la puissance pour pardonner, la puissance pour affranchir ce soir, cette soirée de salut. La puissance de ta libération, la nuit, de ta rédemption. Ça vient maintenant, est-ce que tu es prêt? Je dis, ça vient maintenant, est-ce que tu es prêt? La tête baissée, les yeux fermés maintenant. Parle au Seigneur maintenant. Seigneur, je suis là. J'ai entendu l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de la porte ouverte au salut, la bonne nouvelle du salut, l'évangile de la puissance de Dieu qui donne le pardon et la paix du cœur. C'est l'évangile de l'émancipation, l'évangile d'Emmanuel, l'évangile de la vie de Christ en toi. Maintenant, si tu veux l'émancipation du Seigneur, tu veux le salut du Seigneur, n'importe où tu es, lève ta main. Et tu dis, j'ai écouté la parole, je fixe mon cœur, je veux chercher le Seigneur, je veux abandonner mes péchés, je veux croire au Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Où es-tu là-bas? N'importe où tu es. Sans perdre du temps, lève ta main là-bas et dis, je veux le salut. Rappelle-toi, tu dois confesser tes péchés, abandonner tes péchés. Comme tu confesses tes péchés et abandonnes tes péchés, tu crois au Seigneur. Alors le salut viendra, la rédemption viendra. Pour toi, celui qui caille ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Où es-tu là-bas? Comme tu lèves la main, tu veux le pardon, tu veux le salut, tu veux la paix de Dieu dans ton cœur. Lève ta main, et si tu lèves la main, mets-toi debout. Et dit, je suis là, je veux le salut du Seigneur, je veux le pardon du Seigneur, lève-toi, n'importe où tu es. Comme tu te lèves dans ton cœur, confesse tes péchés et abandonne. Dis Seigneur, je suis désolé, j'ai péché, je ne vais plus continuer dans cette voie, j'abandonne mes péchés et je viens pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Lève cette main debout. Je prie avec vous maintenant. Rassure-toi que tu confesses tes péchés, que tu abandonnes les péchés et tu dis tu suivras le Seigneur pour le restant de mes jours de ma vie. Lève ta main et lève-toi. Si tu es assis, tu sais que tu n'as pas le salut, tu n'as pas encore cette victoire sur le péché. Tu te feras beaucoup de bien si tu te lèves pour recevoir le salut du Seigneur. Parce que celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Où es-tu? Garde cette main levée comme tu es debout. N'importe où tu es au lieu principal. N'importe où dans le monde où tu es connecté. Nous prions ensemble maintenant. Père! Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te remercions parce que tu as appelé chacun de nous. Tu es venu nous appeler à la repentance et à la foi en Christ. Je prie pour chacun de nous maintenant, debout, et qui abandonne les péchés dans leur cœur. Et qui se réconcilie au Seigneur par Jésus-Christ. Je prie, pardonne-les et sauve-les au nom de Jésus. Je prie que le péché ne cause pas leur ruine. L'iniquité ne va pas causer leur ruine. Je prie que la transgression ne cause pas leur destruction au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, la foi
pour laisser toutes ces œuvres des ténèbres, pour quitter toutes ces choses du péché et venir au Seigneur dans une foi dynamique salvatrice. Accorde-la à chacun au nom de Jésus. Confirme le pardon, confirme la réconciliation, confirme le salut dans leur cœur maintenant. Donne-leur le pouvoir d'aller et de ne plus pécher. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout là-bas. Nos conseillers sont autour de vous et vont s'occuper de vous. Je reviendrai après prier pour ceux qui ont besoin de miracles, des signes, des prodiges et la guérison. Toujours debout. C'est un grand jour pour vous. Un jour glorieux. Un jour que tu n'oublieras jamais. Un jour où tu seras né de nouveau. Que tu seras un enfant de Dieu. Où ton histoire a changé. Toujours debout. Nos conseillers. Alors, rapprochons-nous. Là où nous sommes, dans nos différentes régions, dans nos différentes nations, dans nos assemblées locales ou sur les champs de croisade en plein air où nous sommes, allons vers ceux-là qui ont levé leurs mains et donnons-leur la fiche de décision. Ceux qui ne savent pas écrire, aidons-les à remplir ces fiches. Et vous qui avez levé la main, qui avez fait la prière, en donnant votre vie au Seigneur, ne vous asseyez pas tant qu'on ne s'est pas occupé de vous. C'est une expérience glorieuse. Ce que vous avez fait ce soir est vraiment glorieux. Être sauvé. Devenir enfant de Dieu. Rassurez-vous que vous donnez les informations correctes. Donc, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Faisons-le rapidement. Et les autres qui sont déjà dans le royaume, soyons en esprit de prière. Vous qui êtes en ligne, redonnez votre vie au Seigneur. En ligne, évidemment. Prenez note. Le lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Et remplissez le formulaire qui est disponible en ligne et soumettez-le.
Conseiller, s'il vous plaît, faisons rapidement. Si personne ne vient vers toi, tu peux lever la main. Le conseiller va te voir. C'est un aspect très important. Nous allons prendre vos informations pour vous aider davantage. Tu vas rater énormément si ton nom n'est pas écrit. Reste debout pour que tu participes, tu reçoives cela.
Préparez-vous, l'heure de votre miracle est proche. Levez-vous maintenant comme nous préparons pour notre paix dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Paul a dit à cet homme, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Et immédiatement, il se tint d'un bond et marcha. Ton heure a sonné maintenant. N'attends personne d'autre après le dernier Amen. Ce miracle serait déposé dans ta vie là-bas. Lève cette main et mets la deuxième main là où tu as le problème, la maladie. Et que ton cœur, ta pensée, ta foi, ta confiance soit placée sur le Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, Dieu puissant, Dieu grand, aimable, de Dieu qui ne peut échouer, nous venons devant toi en ce moment, en faveur de tout le monde, tout homme, toute femme, tout garçon, tout frère, toute sœur, ici au lieu principal et partout. Seigneur, tous et chacun maintenant, au nom de Jésus, touche leurs yeux aveugles. Vous, les yeux aveugles, je vous commande, voyez clairement maintenant au nom de Jésus. Les oreilles, touche-les, guéris-les maintenant au nom de Jésus. Tout enflement là-bas, n'importe où se trouve l'enflement, touche là où il y a le problème. Enflement, sors au nom de Jésus. Problème respiratoire soit guéri au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, tout problème interne, cancer, ulcère, quel que soit le nom, je prie que Dieu te touche maintenant. Sois guéri. Sois guéri. Tout problème démoniaque là-bas, je vous commande, démon, esprit mauvais, sors au nom de Jésus. Seigneur, sur tout le monde, à ma droite, à ma gauche, au milieu, tout le monde maintenant ici. Et ceux qui écoutent à la radio, ceux qui sont à la télévision, n'importe quelle assemblée en ligne, n'importe où, envoie ta puissance sur chacun. Guéris chacun, délivre chacun, affranchis tout le monde, tous les captifs. Envoie ta parole et tu les guéris. La parole est venue à ton peuple et ils sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Je dis c'est fait. Je dis c'est fait. Le miracle est déjà là. Examine-toi. Tu verras et tu sortiras pour témoigner. Le miracle est déjà là. Examine-toi seulement et tu le verras. Si tu veux acclamer, acclame très fort. Tu verras ton miracle là-bas. Tu verras ton miracle là-bas. Et comme tu vois le miracle, crie Alléluia! C'est déjà là. Le miracle est déjà là. Nous voulons nous réjouir avec toi.